08 92 23 95 20. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant en 95. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Morgan, ça sera pour tout à l'heure. Hein. Maintenant c'est David Abassi qui est avec vous, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir tout le monde, partout où que vous soyez, à droite, à gauche, à Paris, ou... n'importe où dans le monde, vous savez que vous pouvez nous écouter, et nous regarder également. 95.2 FM, c'est Île-de-France, et ici et maintenant au .com, dans le monde entier. Nous arrivons presque à la fin du mois d'août 2018. Ça faisait longtemps qu'on entendait à l'époque l'an 2000. Vous vous rappelez, l'an 2000. On disait, oh là là, quand est-ce que l'an 2000 va arriver? Il est arrivé. Maintenant, 18 ans qui passent. Après, il y avait le 11 septembre. Vous vous rappelez du 11 septembre? 11 septembre qui a changé la direction du monde. Un autre monde a été créé après le 11 septembre. Beaucoup de choses ont été éclatées, on peut dire, après le 11 septembre. Personne ne savait pas que le 11 septembre va vous ramener énormément de choses. Positives ou négatives, la vie est, dans le 21e siècle n'est pas comme 20e siècle. 20th century, c'est tout à fait différent. Les guerres, les misères, déchireurs de pays, des familles, des amis, virtuels, tout est virtuel. Regardez la vie. Une famille de 4-5 ans, 5-10 personnes, ne communique plus avec des paroles face à face. C'est par SMS, par chat, par Instagram, Facebook. N'importe où, quand une famille, ils sont réunis, pour la plupart des fois, pas toujours, hein. Vous voyez, chacun, il sort son bouquin. Le bouquin, ce n'est pas un bouquin, c'est son écran et smartphone. Ils sont en train de communiquer avec le monde entier. Et chacun a des passes de temps énormes. Tu veux parler avec lui? Ah oui, en même temps qu'il est en train de parler avec toi, la tête est sur les smartphones. Et smartphone. Toute la famille, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais une grande partie sont comme ça, malheureusement. Une grande partie sont comme ça. C'est le 21e siècle, il n'y a plus de travail comme avant. La plupart des riches ne vivent pas comme avant, et les pauvres non plus. Et les guerres, que vous le voyez partout. Les guerres entre les alliés également, mais en cachette. Les alliés qui ont combattu le nazi Hitler, le grand assassin, les alliés sont en guerre, mais en cachette. Combien de l'argent la France seulement, on veut parler de la France, nous sommes en France, a perdu dans cette guerre d'économie, dans cette guerre
entre les alliés, entre les amis. Vous le savez. Les contrats de plusieurs milliards de dollars qu'on signe, après on ne peut pas exécuter. Et c'est loupé. Et ça, c'est qui va le payer? N'oubliez pas, quand il y a une petite somme qui va prendre la fuite à droite, à gauche, on dit, oh, c'est nos impôts, là. Hein? Nous allons le payer de nos impôts. N'est-ce pas? Nous allons le payer de nos impôts. Et quand c'est plusieurs milliards de dollars que la France perd, nous passons à côté. Sans savoir que cette perte, ça va coûter, même pas pour aujourd'hui même, mais aussi pour nos enfants, pour nos retraites de demain, pour notre caisse de demain. C'est ça, la guerre des alliés, la guerre entre les alliés. Les alliés, c'est qui? C'est les pays qui ont combattu contre l'Allemagne nazie, contre Hitler. Ça, on devait créer une union égale. Mais malheureusement, il y a certains pays qui profitent d'autres pays. Et certains pays, ce n'est pas tellement ces deux pays seulement. Parmi les alliés, seulement ces deux pays qui profitent de la gentillesse des autres, de l'humanisme des autres, de l'intelligence des autres. C'est quoi ces deux pays? C'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique et les Grandes-Bretagnes sont maîtres du monde, même pour gouverner en Europe, même pour casser le casse-coute des Européens. Vous signez des contrats? Le grand frère, il dit non. Vous devez dire non. Mais lui, il va le signer en cachette par intermédiaire d'autres pays. Mais vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous faites la même chose, vous êtes puni de plusieurs milliards de dollars. Imaginez-vous, tapez-vous sur l'Internet pour voir dans les 5 dernières années combien les banques internationales, mais qui sont en France aussi, les banques françaises, on peut dire, ils ont payé des amendes gratuites aux Américains sans passer devant la justice, tac, 11 milliards de dollars ils ont payé aux Américains, BNP, HSBC, Crédit Agricole, Société Générale, et beaucoup d'autres banques. Il y avait des dossiers, ils ont sorti. Alors, les banques n'ont pas, même pas, passé devant les tribunaux. Tribunaux de finances, national, international. Tout de suite, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes. Ça, ce n'était pas de votre poche. Mes chers amis qui vous payez une petite taxe d'habitation, une petite taxe foncière, vos impôts sur le revenu, les travailleurs que vous travaillez partout, que vous êtes policier, inspecteur des impôts, à la poste, chauffeur de taxi, chauffeur, conducteur de métro, dans le bâtiment, employé à droite à gauche. Vous travaillez sagement, gentiment. Ah, les riches, ils s'en foutent. Les riches, ils s'en foutent s'ils payent 100 euros de moins ou de plus. Mais pour vous, 100 euros, c'est 100 euros. Hein? Surtout mois de juillet, août, quand vous partez en vacances. Vous pouvez constater que 100 euros, c'est 100 euros. 200 euros, c'est 200 euros pour vous. Pour nous, enfin, voilà.
pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça en dit mondialisation. Village mondial. Famille Bush, ils l'ont nommé. Ils l'ont nommé quoi? Nouvelle ordre mondial. Cette nouvelle ordre mondiale qui est en train de nous détruire partout dans le monde. Oh, même ils se sont détruits parce que les Américains, leurs économies, leur endettement est énorme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagnant dans ce combat si vous réfléchissez bien. Mais quand même, l'Europe et surtout la France, il a beaucoup perdu dans le 21e siècle, économiquement, à cause des bêtises de son grand frère. Et dans la dernière émission, j'ai parlé et j'ai diffusé des informations discrètes, secrètes, quand vous venez de l'éclater sur général de Gaulle et son guerre contre les Américains. Et la guerre des Américains contre la France et contre général de Gaulle. Vous l'avez entendu ça? Vous l'avez écouté ça? Ah oui, bien sûr. Général de Gaulle, il a sorti de l'OTAN. Général de Gaulle, il a dit « J'ai le bombe atomique grâce à l'investissement iranien, le Shah d'Iran. » Il a fait face aux États-Unis. Il a dit « Je vais repatrier nos réserves d'or. » Les Américains étaient étonnés, mais ils ont dit « D'accord. » Comme je vous ai dit dans la dernière émission, on va le rappeler, et tout le monde n'a pas écouté. Je me suis dit, d'accord, d'accord, on va vous donner des billets de dollars. Général de Gaulle, l'homme d'intelligence, un général politisé, un homme de résistance. Il a dit, non, monsieur, je ne veux pas de vos billets, de vos papiers, de dollars, je veux de l'or. Donnez-moi l'or. Et il a pris l'or. Pourquoi? Parce qu'il avait l'arme nucléaire. Il était fort. Et les Américains, ils avaient des problèmes à Cuba, avec l'Union soviétique. Et il avait peur. Dans quel camp va jouer notre général? Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé une guerre en cachette contre lui pendant 10 ans. Le CIA et tous les autres services en marche. L'espionnage chez général de Gaulle. Tout ce qu'il fait, c'est visé par le grand frère. Et c'était unique dans l'histoire, c'était la vie de David Abbassi, que je vous ai dit, même 68, la révolution, la révolte de mai 68. La France et les Français, ils ont gagné certaines choses, sans aucun doute, avec chaque révolution, chaque révolte, vous gagnez certaines choses. Mais j'ai pensé, je suis exprimé la semaine dernière que ça, c'était parmi le coup monté contre la France, contre De Gaulle. Alors actuellement également, le jeune homme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, jeune homme, il va ramener de l'argent, il va rester à côté, comme Charles de Gaulle, il lui a dit, je ne veux pas faire la guerre. Commander. Je ne veux pas faire la guerre à la place de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Je veux ramener l'argent dans mon pays. Je veux faire des contrats. Alors, on ne laisse pas travailler.
Imaginez-vous l'histoire de la Libye. La Libye, notre président était piégé, M. Nicolas Sarkozy. Il était piégé, pourquoi ? On a dit, la Libye, Gaddafi, dollar, pétrodollar, l'économie française. Il est venu ici, Gaddafi, à l'Elysée, et même il est venu avec ses chameaux. Alors, il a signé des contrats ou non, il a dit, je vais signer après des avions rafles. Et d'autres armements, je ne sais pas quoi, plusieurs milliards, on attendait de Gaddafi. Bah, il n'a pas signé comme il fallait. Hein. Après, on a dit, ok, on va le faire shooter. Et on va promettre les 2, 3, 4, 5, 10 gentlemen libyens que nous avons ici. Gentlemen aux paysans, je ne sais pas, je ne le connais pas. On va les mettre à la place de Gaddafi. Et on va signer le contrat avant de donner le pouvoir. Et on va être tranquille, la France, l'économie va être florissant. Alors Gaddafi est shooté, Libye n'a plus de chef Muammar el-Gaddafi, mais Sarkozy n'est plus président, il s'en va. Et la Libye aussi s'en va. Et la France, qu'est-ce qui touche de la Libye ? Je ne sais pas si vous le savez. Venez nous dire, mes chers amis. Venez nous dire. Regardez, dans quelques minutes, j'ai évoqué plusieurs sujets pour vous. Venez vous exprimer. Seulement le plus important. Et l'origine de tout ça, c'était quoi? La force des Américains, c'est quoi? La force des grands frères, c'est quoi? Qu'il impose tout ce qu'il veut, même à l'Europe, même à la France, quand on ne l'accepte pas, il le fait entrer par la force, c'est quoi? C'est comme il a dit général de Gaulle, notre général, le général de Gaulle, il a dit, la force, avant qu'il se fasse des armements sophistiqués américains, c'est les papiers qu'il est, c'est le dollar, c'est le dollar, c'est le papier. C'est de l'or qui gouverne dans le monde et l'Amérique gouverne. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'un général de Gaulle de demander que l'or de son pays soit repatrié, qui essaye de mettre son monnaie de 28 pays, euros, comme monnaie d'échange, pour que le peuple puisse mieux vivre, pour que l'économie puisse mieux vivre, pour que la France ne soit pas sous les ordres des Américains ou d'autres, qu'ils ne soient pas obligés de faire la guerre commandée. Ce que Macron n'a pas accepté, ça je l'avais dit même avant qu'il était candidat, j'ai dit jamais il n'aura pas fait des guerres commandées. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il est resté. Oh, 250 critiques, vous pouvez le faire. Mais vous avez pu constater, il a fait face aux Américains, son ami Donald Trump, il a fait face à son ami saoudien, Mohammed bin Sultan, bin Salman. Mais Salman, il est sultan quand même. Hein. Et beaucoup d'autres choses. Il a gardé l'autonomie de la France. Mais là, on devrait le soutenir. C'est-à-dire dans les domaines qui concernent la France et la politique internationale, c'est différent avec la politique nationale. Dans la politique nationale, vous pouvez critiquer, tatati, tata, mais dans la politique internationale, surtout quand vous êtes en état de la guerre, le pays doit être uni et soutenir le pouvoir en faveur des intérêts de la France. Ça, c'est à part de tout. Alors, vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, et David Abbassi qui est avec vous, comme d'habitude, et vous écoutez votre radio. Ici et maintenant. Ici et maintenant.com, vous avez notre image et le son en même temps. On est là, mes chers amis. Nous sommes là pour vous. Allez, 08 92
92 23 95 20. Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'ai le plaisir de recevoir Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Monsieur Abassit. Bonsoir. J'ai bien écouté donc votre développement que j'ai trouvé très précis sur la situation actuelle et aussi sur l'histoire hein, par rapport la lutte qu'a menée le général de Gaulle, qu'on n'avait pas toujours compris, nous, les jeunes, à l'époque, et qui se révèle maintenant, quoi. Donc, j'ai bien vu tout le développement, qui me semble parfaitement justifié, et aussi la description du rôle que joue l'Amérique et les pays anglo-saxons au niveau de la géopolitique mondiale. Pour l'instant, je vous ai suivi jusqu'à ce moment-là. Et par contre, là où j'ai du mal à vous suivre, c'est en quoi trouvez-vous que M. Macron fait de la résistance par rapport à la puissance anglo-saxonne, américaine plus particulièrement. Il n'a fait aucune résistance lorsque le président américain a décrété que les entreprises devaient quitter l'Iran, d'une manière complètement aléatoire et autocratique, quoi. Les Américains ont décidé qu'on ne devait plus faire d'affaires avec l'Iran et c'est ce qu'on a fait. Comment pouvez-vous dire que M. Macron fait de la résistance à la puissance américaine? Je vous téléphone pour que vous puissiez, préciser votre pensée par rapport à ça. Alors Bernard, je ne sais pas si vous avez suivi les informations ou non, parce que Trump, il y avait des propositions qu'il a données à Emmanuel Macron concernant l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez constater, écouter, regarder de nouveau les infos d'il y a déjà quelque temps. Et Macron n'a pas accepté 100% les propositions de Trump, et surtout concernant l'Iran, comme vous venez de dire. Lui, il a conseillé les sociétés de rester. Ce sont les sociétés qui ont quitté l'Iran, surtout Total aujourd'hui, avec plusieurs milliards de dollars de pertes, premièrement. Ça, c'est dans les médias, c'était écrit partout.
qui n'a pas cédé Macron aux Américains, mais par contre, c'est les sociétés qui ont déjà investi en Iran, et étaient en train de l'investir. Ils avaient peur des amendes que je vous ai dit, que les banques qu'ils ont payées dans les 5 dernières années, qu'ils ont quitté l'Iran, qu'ils sont en train de le quitter, etc., etc. Mais, c'est-à-dire l'économie, mais le politique, soit Macron et son gouvernement. En plus, je suis au courant de certaines démarches qui n'ont pas été dire dans les médias de la France auprès des Américains, auprès de d'autres pays européens, qu'ils marchent chaud pas avec l'Amérique. De l'autre côté, c'est la question de la guerre que l'Arabie Saoudite voulait ramener contre l'Iran en commandant d'autres pays. La France aussi était concernée. Encore le président Macron, il a refusé. Ça aussi, c'est les informations sur le certain. C'est dans les médias, ce n'est pas des secrets d'État. Il a refusé. Et beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas, Bernard, si vous avez écouté ou suivi tous ces trucs-là, ce n'est pas un, deux, trois, quatre, cinq éléments. Il y a beaucoup d'éléments que politique français, présidé par Macron, n'a pas cédé. Mais après, si et les sociétés françaises, ils cèdent à la volonté des Américains, ils n'écoutent pas leur président, et ils ont peur, ils sortent. Ça, c'est autre chose, cher Bernard. Mais par contre, d'accord. Bon, j'ai pas l'intégralité des positions de Macron par rapport à la politique américaine. Par contre, quelles mesures concrètes a-t-il pris pour conforter et renforcer les sociétés qui décideraient de rester en Iran? Il n'a pris aucune décision effective, matérielle, pour justement les aider à faire opposition à la décision américaine. En fait, parce qu'en fait, les prises de position médiatiques, les déclarations d'intention, ça va bien, mais on ne fait pas. La réalité n'est pas constituée de prises de position. On a beau avoir de grands principes, au moment que dans le monde réel, là où les faits se produisent, si on ne produit aucune action qui va dans le sens de nos prises de position, nos prises de position sont un petit peu manque de profondeur et de force. Et je n'ai pas vu dans les prises de position de Macron de quoi renforcer les sociétés qui souhaiteraient continuer à résister aux diktats américains. Voilà. J'ai surtout vu dans la déclaration de Macron le fait, par rapport à l'Iran, qu'il fallait quand même que l'Iran fasse un effort par rapport à son dernier raccord pour le réactualiser, qu'il soit plus acceptable. Alors, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu l'impression quand même que c'était aller un peu dans le sens des Américains. C'est l'impression que ça me fait, moi, personnellement. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande résistance de la part de Macron à la position anglo-saxonne. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me convaincre, à moins que vous ayez des éléments que j'ignore. Vous savez, cher Bernard, la question c'est ça. Prenez note de ce que j'ai dit trois fois et je vais le répéter quatre fois. Macron dirige la politique française. L'économie s'est dirigée par les banques, par les sociétés internationales, qui était à l'époque peut-être français national, mais actuellement ils sont internationaux. Si vous analysez bien cet argument politique et économique, les hommes politiques et les hommes de finance et d'investissement, vous avez la réponse vous-même. Un homme politique qui soit même président de la République, il ne peut pas ordonner une société de faire ça ou de ne pas faire ça. Puisque demain, s'il y a des amendes qui vont tomber sur leur tête,
comme je vous ai dit, écoutez, il n'y avait rien de tout, même avant de l'histoire de Panama Papers. Mais prenez seulement l'histoire de Panama Papers. Dans l'histoire de Panama Papers, il y avait plusieurs milliards de dollars blanchissement de l'argent. Demain, si vous allez mettre 1100 euros en espèces sur votre compte, ou vous mettez 1200 euros en chèque sur votre compte qui ne vient pas de votre salaire, votre banquier va vous appeler tout de suite en disant « Monsieur, ça vient d'où cette somme ?» Vous devez donner les justificatifs. Si vous ne donnez pas les justificatifs, si vous ne saviez pas ça, écoutez bien, ça, ce n'est pas de blague, c'est sérieux. Ça fait plusieurs années qu'en France c'est comme ça, et récemment c'est renforcé. Alors, si vous ne donnez pas les justificatifs, d'où est-ce que vous ramenez 1200 euros en espèces en mettant sur votre compte? Pour 1200 euros, votre compte est fermé. Alors, ici, politique ne peut rien faire. Alors, imaginez-vous que BNP, il a donné lui-même 11 milliards de dollars les amendes aux Américains. Pourquoi? Puisqu'il avait cassé l'embargo avec l'Iran et d'autres pays, il a fait quelques transactions commerciales avec l'Iran. Ou Panama Papers, c'était quoi? Panama Papers, c'était, vous savez c'est quoi, je ne sais pas bien de vous dire. Mais pourtant, dans cette histoire de Panama Papers, les guerres ont été financées contre Israël. Les guerres contre Israël. Mais un des grandes personnalités politiques, non, voilà, président du Sénat, il vient, il va fermer ce dossier-là. Pourtant, le patron de Société Générale va mentir sur testament, il va mentir sur serment, il va mentir au Sénat. Et après 2 ans, on va savoir qu'il a menti, mais toujours le patron de Société Générale, il est là, et personne ne l'a pas touché. Ça, c'est la force d'économie que le pouvoir politique n'a pas la même. Et en plus, il n'est pas ordonné. Politique ne peut pas ordonner aux finances. Pour ça, Macron, comment il pouvait renforcer les intérêts de la France, comme quoi, par exemple, rester en Iran pour qu'on ne perde pas plusieurs milliards de dollars. Il n'avait pas l'argent dans la caisse pour payer. Si demain les Américains, ils vont imposer certaines amendes sur les sociétés françaises. Pourquoi? Puisque toutes les sociétés dans le monde, ils travaillent avec le dollar. Mais Bernard, la solution, c'est ça. Tout le monde le sait. Depuis Général de Gaulle, on savait. Depuis Mitterrand, on savait. La solution, c'est ça. La solution, ce qu'on aurait le courage, au moins en Europe, de remplacer l'euro par dollar. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va faire toutes les transactions avec le dollar. Après, vous êtes libre de traiter avec qui vous voulez dans le monde entier. Mais maintenant que vous travaillez avec le dollar, tous les contrats se font avec le dollar, qu'en plus, ce dollar n'a pas la valeur réelle quand on le voit dans l'économie, vous êtes perdant. Et les politiques, même Général de Gaulle, à l'époque, il n'a pas pu faire face aux économies imposées de la part des Américains. C'est ça qu'on devrait le comprendre, cher Bernard. C'est-à-dire, si vous comprenez la différence de l'enjeu de ces deux pouvoirs, la question est répondue. Je vous écoute, Bernard. D'accord. Mais donc, ok, j'ai bien suivi ce que vous dites. Je comprends bien que, d'accord, M. Macron ne peut pas faire en sorte que les entreprises restent et résistent donc à la puissance américaine parce que c'est elle, par sa main, qui domine le monde. On est bien d'accord. Et les sociétés sont internationales. N'importe quelle banque française, c'est international. N'importe quel Total qui quitte l'Iran aujourd'hui, c'est international maintenant. On n'est pas comme avant, national. C'est pour ça qu'il insiste. Par contre, je ne vois pas. J'ai vu par exemple à l'époque M. Kadhafi en Libye qui a voulu instaurer une monnaie basée sur l'or. On sait comment ça s'est terminé pour lui. Je vois à l'heure actuellement un groupe de pays qui les BRICS qui tentent d'instaurer une monnaie indépendante du dollar, mais de la part de l'Europe, vous semblez très Monsieur Macron
essaye de favoriser une monnaie, l'euro, par qu'il devienne une alternative au dollar. Moi, personnellement, dans les faits, concrètement, je ne vois pas ce qui vous fait dire cela. Parce qu'en fait, on est toujours aussi dépendant du dollar. Je ne vois pas de progrès dans ce sens. Alors, je me trompe peut-être, mais moi, personnellement, je n'ai pas du tout l'impression que la France, par l'intermédiaire de l'action de Macron, nous devenons plus indépendants du système libéral anglo-américain. Je n'ai pas du tout cette impression-là. Alors, bon, voilà. Donc, vous m'avez bien exposé ce que vous avez dit, j'ai tout bien compris, mais malgré tout, avec la meilleure volonté du monde, je ne vois pas ce qui vous fait dire que M. Macron est dans la résistance par rapport à ce système. Je ne le vois pas du tout. Cher Bernard, au moins, mon ami, déjà expliqué, ça aussi, puisque vous venez de dire, imposer l'euro par Macron, ça aussi, je vous donne une petite explication. Ça demande beaucoup, mais je vous donne une petite explication. Pour ça aussi, Macron, il ne peut pas sortir deux décrets ou trois et dire, voilà, c'est de là, non, et c'est l'Europe. Nous sommes dans la communauté européenne. Tout ce qu'il va le faire, devoir consulter avec l'Europe, 28 pays, premièrement. Deuxièmement, après la consultation, on doit prendre des décisions. Des décisions, mon cher ami. Euro prend la place de dollar dans certains contrats. Seulement on prend ces deux éléments que je viens de vous dire. Et puisque je suis informé, ce n'est pas non plus de secret d'État. Cherchez sur l'internet, vous pouvez le trouver. Sur ces deux domaines-là aussi, Macron et son gouvernement, ils ont fait le nécessaire auprès des Européens de d'abord discuter à ce sujet et deuxièmement commencer à faire ça. Mais je t'assure, même la dernière fois, dans un pays, quand ils étaient réunis, dès qu'ils ont dit, voilà, dollar, no, euro, tous les ministres d'autres pays européens, ils ont quitté les réunions, même. Ils ont quitté, même pas, ils n'ont pas resté à écouter. Pourquoi? Même Allemagne qui est fort économiquement, jamais il va pas laisser deux minutes et d'avancer cette idée-là, puisque l'Allemagne, encore pire que nous, il est colonisé par les Américains et par l'anglo-saxon, comme vous venez de dire, c'est le meilleur de dire anglo-saxon. Ils sont colonisés. Économie et d'Europe, il est lié. Pourquoi Grande-Bretagne va quitter l'Europe? Après, il dit non, on va rester. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il entre sans accepter la monnaie? Après, il va... Tout ça, c'est ça. C'est-à-dire, remplacer la monnaie, ce n'est pas seulement la France. Par contre, je vais vous dire une chose, depuis Charles de Gaulle, jusqu'à Mitterrand, jusqu'à même Jacques Chirac, et maintenant Macron, il y avait toujours le projet et l'idée et la volonté de faire ça. Mais jamais on n'a pas laissé de faire ça. Imaginez-vous, cher Bernard, on crée à côté de vous certains scandales, certains problèmes, que vous, dès que le matin vous sortez, vous voulez parler à ce sujet-là, vous allez à droite, à gauche pour vous défendre, pour parler sur d'autres choses, on ne vous laisse pas travailler. Et c'est le cas que vous le voyez. Pour ça... je sais qu'il y a certains parmi nos amis, beaucoup de gens disent « Ah, oh, Macron, c'est le président des riches, Macron, quand même pas Macron. » Mais croyez-moi ça, au moins croyez, David Abbassi, dans ces domaines-là que je viens de vous citer ce soir, lui, il a essayé et il veut faire quelque chose, mais il peut pas, puisque les autres pays ne vont pas accepter, même pas, ils ne vont pas écouter. Pour ça, je vous demande de faire des recherches sur l'Internet. Vous pouvez voir les éléments très solides, parce que ce n'est pas le secret d'État. Macron, il veut faire ça, mais personne ne va pas le suivre, Bernard. Bien, alors, monsieur Abbassi, six mois maintenant, je veux faire une chose, mais je suis dans un ensemble de paramètres qui m'interdisent de faire cette chose-là, comme l'Europe,
l'Union européenne interdit de faire, d'avoir des décisions indépendantes. Alors à ce moment-là, si je suis logique avec moi-même, si je veux faire une chose et qu'il y a un certain nombre de paramètres qui m'interdisent de faire cette chose-là, je dois sortir de ces paramètres-là pour arriver à faire ce que je veux. Seulement, l'Europe a été voulue, a été conçue, a été façonnée par les États-Unis d'une manière libérale, de manière à nous éloigner de la Russie et des pays de l'Est. Enfin, disons qu'elle a intégré tous les pays, les anciens pays fondamentalement anticommunistes, comme tous les pays baltes, la Pologne et tous ces pays-là, ont été intégrés dans l'Europe pour qu'il n'y ait aucun risque que l'Europe se rapproche de la Russie, parce que si l'Europe et la Russie ont des échanges commerciaux et se rapprochent l'un de l'autre, c'en est fini de la suprématie américaine. Toute la politique des États-Unis vise à nous brouiller avec la Russie. Alors, l'Europe a été clairement construite par les États-Unis et les Anglo-Saxons pour nous brouiller avec la Russie. D'ailleurs, regardez tous les scandales qui arrivent, l'affaire Skripal, tous ces dénominatifs injurieux qu'on a adressés au président Poutine, tout ça, ce sont des manœuvres de prépavande pour nous dire qu'on a en face de nous un tyran assoiffé de sang qui est prêt à bondir sur l'Europe avec ses tanks et ses avions. Voilà. Donc on est entretenu dans une propagande de guerre contre la Russie, et ça c'est voulu par les États-Unis. Et c'est les États-Unis, à mon avis, qui ont voulu que l'Europe prenne cette forme-là. Les États-Unis contrôlent complètement l'Europe. En fait, depuis la libération, ils n'ont jamais cessé de contrôler complètement l'Allemagne. L'Allemagne a été un pays occupé, et toujours un pays occupé par le libéralisme. Et on en subit les conséquences. Pour ma part, moi, écoutez ce que vous dites. J'attends de voir, on verra. L'avenir dira qui a raison ou pas. Mais moi, je ne vois aucun signe en Europe, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, je ne vois aucun signe de résistance au libéralisme anglo-saxon. Aucun. Alors, si vous voyez en Macron à nouveau De Gaulle, moi, je vous dis, monsieur Lavassi, je vais attendre quelques mois pour me faire une idée sur ce que vous dites. Mais j'adhère pas complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, moi, je pense que on est dans une nouvelle phase de politique mondiale, c'est-à-dire que Donald Trump nous a bien fait comprendre que l'OTAN, il n'en avait rien à fiche. Il a complètement redessiné une nouvelle configuration planétaire. Et dans cette configuration planétaire, la priorité des priorités, c'est d'empêcher l'Europe et la Russie d'avoir des rapports amicaux et des rapports, disons, fructueux. Le deuxième acte de la politique de l'Amérique, alors là, c'est pas seulement la politique de Donald Trump, mais aussi de l'État profond américain, c'est de faire en sorte d'affaiblir tous les régimes du Moyen-Orient. Alors, on le voit, la crise avec la Turquie, par exemple, je l'analyse comme ça. À mon avis, l'Amérique a intérêt à ce qu'il n'y ait aucun régime fort au Moyen-Orient. Que tous les régimes soient des régimes faibles, avec des dirigeants fantoches. Monsieur Erdogan, lui, c'est un dirigeant fort, et ça ne plaît pas, parce que au niveau américain, à part l'État d'Israël, il faudrait qu'aucun régime soit fort. Alors, le meilleur moyen, en fait, là, il y a une ethnie d'un pays, une peuplade au Moyen-Orient qui est un outil pour déstabiliser tout le Moyen-Orient, ce sont les Kurdes. Les Kurdes volent à juste titre un pays pour eux. Je ne leur reprocherai pas ça. Mais dans les faits, le fait que les Kurdes d'Iran, les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak et aussi les Kurdes qui sont en Turquie et veulent créer un pays,
c'est une source de déstabilisation dont l'Amérique va profiter. Moi, je ne critique pas les Kurdes de vouloir un pays. C'est tout à fait justifié. Mais par contre, il faut reconnaître que c'est quand même un outil de déstabilisation. Et donc, le jeu de l'Amérique, c'est de favoriser les Kurdes. Et donc, on voit que les tensions avec la Turquie, en ce moment, c'est parce que la Turquie a une lutte contre les Kurdes et que l'Amérique essaye de détruire les Kurdes parce qu'elle sait bien que les Kurdes sont là pour sont pas là pour déstabiliser la région, mais dans les faits, ils le font. Je crois que Pierre est là, il va parler avec toi, Bernard. Pierre, bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Non, c'est les folles prononcées à mensonge de Jean-Marie Le Pen. Parce que dans les 70-80, quand on a commencé à parler de lui, commencé à percer et tout, il a dit qu'il avait fait la résistance, que vers la fin de la guerre, il y avait 3000 résistants qui sont réunis dans un village où il était présent et tout. Les résistants du coin sont étonnés parce que personne ne l'a vu là-bas. Il a dit que trop de personnes, c'est pas étonnant, personne ne l'a remarqué, enfin bon, bref, voilà. Et j'ai écouté ses mémoires, il parlait de ses mémoires sur une radio, là, ses mémoires récemment faites. Et dans ce mémoire, il dit simplement que il n'a pas pu à ce renseignement résistant parce que sa mère lui avait fiché ses pantalons, enfin un prétexte assez ridicule en fait. En fait, il a menti donc et donc il faut que si on prenait dans les médias son mensonge, ce serait pas une perte pour le moment. C'est tout vous qui avez l'influence, si vous voyez des journalistes qui peuvent utiliser ça dans la presse et dans les médias, ce serait pas mal. C'est un mensonge, il a quand même menti, Jean-Marie Le Pen, c'est clair. Il a dit qu'il est résistant, il n'a pas résisté apparemment, il n'a pas résisté du tout. Non, c'est un menteur. Allô? Oui, Bernard, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas tellement dans le sujet que j'étais en train d'évoquer. Hein. Je sens très mal, j'entends rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais rebondir sur ce que dit Pierre, parce que moi j'étais en train de suivre un fil, donc... J'étais simplement... Moi, je vais continuer sur mon fil à moi. Je vous disais que la politique en ce moment qu'on voit entre la Turquie et l'Amérique, c'est une conséquence directe du fait que l'Amérique a intérêt à déstabiliser tous les régimes du Moyen-Orient. Et les Kurdes, malheureusement pour eux, c'est un outil de déstabilisation dont se sert l'Amérique. Voilà. Et puis en Europe, je maintiens et je dis toujours... que l'Europe a été voulue, créée et façonnée par les États-Unis et de manière à nous éloigner de la Russie, de nous éloigner des matières premières russes, parce que les Américains savent que si l'Allemagne et les pays occidentaux s'allient avec et des commerces fructueux avec la Russie, qui est la première réservoir de matières premières et d'énergie et de richesses de la planète, c'en est fini de leur supériorité. Donc, pour l'instant, M. Abbassi, je ne retrouve pas votre analyse. J'attendrai quelques mois avant de voir si ce que vous dites est juste, si M. Macron oppose une quelque forme de résistance par rapport à l'hégémonie du dollar. Moi, pour l'instant, excusez-moi d'insister là-dessus, je n'en vois pas les signes. Et je vais vous laisser sur ce. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Oui, Pierre. Alors, tu vois, tu n'étais pas dans son sujet, là, mais quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses au sujet de la guerre des États-Unis contre la France depuis Général de Gaulle à ce jour-là? Question de dollars. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a plus de blessés. Arrêtez vos vannes, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des politiques différentes, c'est tout. Arrêtez de dramatiser, enfin. Il n'y a pas eu de guerre. C'est un peu ridicule. Il y a eu des oppositions politiques. Écoute Pierre, écoute ce que David te dit. Ne te révolte pas comme ci, comme ça. On a dit, on a précisé, et plusieurs fois, la guerre économique entre la France et les États-Unis. En plus, écoute bien Pierre, il y a des instituts, des centres de recherche, des professeurs à l'université, qui donne des cours à ce sujet-là, depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans jusqu'à maintenant, les différends et les guerres économiques, politiques entre l'Amérique et l'Europe et la France.
Il ne faut pas crier ou dire et contester sans savoir sur certaines choses. Pierre, mon ami, on vous écoute. Il y a eu des petites différences au sujet de... Parce que les Américains voulaient que le dollar soit l'amener les talons. Et vous avez oublié que la valeur étalon, ce soit l'or. Il y a eu des études plus différentes à ce sujet. Hier, De Gaulle n'a pas eu tout à fait raison. Il choisit craignant, en fait, que s'il y avait une crise aux États-Unis, s'il y avait la monnaie étalon qui était le dollar, ça serait pas du tout au reste du monde. Il craignait, je crois. Non, en fait, ça ne s'est pas produit. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de crise majeure aux États-Unis qui serait pas ce qui respecte sur tout le monde entier. Par contre, la moitié des quantités d'or importantes, d'un quart des réserves mondiales abandonnées, pour faire sa politique de monnaie talon qui serait l'or, enfin de valeur talon qui serait l'or. Et c'est pas très embêtant pour la France, parce que l'or est une valeur stérile. On investit dans l'industrie, à l'époque Renault était nationalisé, donc ça peut investir dans Renault, dans la France et tout ce qui était à l'État. Il doit pas investir dans le papa, le domaine et tout. Alors que l'or, c'était malheur totalement stérile. Si on n'avait pas d'emploi, si on n'avait pas de richesse réelle, c'est pas forcément une bonne idée. Maintenant, De Gaulle est loin. D'ailleurs, l'or a servi en partie à éponger mes 68, hein, parce qu'ils l'ont dit, là, il y avait un mou pratiquement a été produit. Il a fallu éponger mes 68 en partie avec l'or qui était accumulé dans la banque française. Bon, ceci dit, De Gaulle est loin. Depuis, il y a eu des rapprochements franco-américains qui ont eu lieu. Beaucoup de présidents français. On va pas. Ça, c'est une vieille lune comme ça, d'opposition entre la France et les États-Unis. C'est une vieille lune. Oui, Pierre. À mon avis, hein, c'est une vieille lune. Maintenant, au sujet du mensonge, Jean-Marie Le Pen, mon livre, ça va être pris par la presse, hein, et les médias. Il a menti carrément. Il a carrément menti. Il a dit qu'il était résistant à la dernière heure, probablement. D'ailleurs, s'il faut le croire, parce que mon version de la France, c'est qu'il y a eu ce monde résistant. Il n'était même pas présent, à ce qu'il semble. C'est dans ses mémoires qu'il a écrit récemment. Sa maman lui a chipé ses pantalons pour empêcher d'aller à ce monde résistant. Enfin bon, donc il a menti, c'est clair. Bon, ben j'espère qu'on va y être entendu pour les médias et que les médias vont en parler un peu. Il faut qu'on sache qu'il y a un menteur, le monde de la peine, c'est clair. C'est un menteur, on peut faire conférence à un politicien qui ment aussi effrontément. Quant à Marine Le Pen, apparemment, elle n'a pas eu de propos anti-juifs, mais peut-être qu'elle a bien son jeu, on ne sait jamais. Et sa nièce, enfin bon, même topo. Hein. D'ailleurs, sa nièce est plus proche, je crois, de son beau-père, de son grand-père, de son grand-père, je crois. C'est le seul grand-père, quoi, Marine Le Pen. Ah, Marion Le Pen. Marshall Le Pen. Il a bien nommé. Marshall. Bon. Bon. Ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que les Français vont bien réfléchir en votant la prochaine fois aux élections. Pour ce qui est de Macron, il fait ce qu'il peut. Il pense avoir raison en prenant les mesures qu'il a pris. On peut espérer qu'il y aura des résultats parce qu'il y aura un réel risque s'il y a vraiment des résultats négatifs que d'un extrême soit au pouvoir, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen ou Marine-Michel Le Pen si elle succède à Marine Le Pen. Il faut espérer que ça ne se produira pas et que la France sera dans une politique modérée et pas extrémiste du tout. Voilà. Bon. Allô? Oui, Pierre, oui, oui. Ok, merci Pierre. Allez, au revoir. Salut, ça c'était Pierre. Sur 95.2 FM Radio, ici et maintenant. Et vous avez la parole. Vous avez la parole, voilà. Vous pouvez sonner, on va vous prendre tout de suite. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. Vous
Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Vous pouvez composer le 08 et 92 23 95 20. Quelque chose que notre ami tout à l'heure, il a dit, je dois préciser, il a dit, je fais de Macron un Charles de Gaulle, général de Gaulle. Non, 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 Macron, il est très loin d'être un de Gaulle. Hein? Tous les présidents qui sont venus après de Gaulle sont très loin d'être de Gaulle. De Gaulle, c'est de Gaulle. Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc. Napoléon, c'est Napoléon. Je sais que beaucoup parmi vous, vous n'aimez pas ces gens-là, mais moi, j'aime tous ces personnages-là. Ils étaient uniques dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement la France. Bon, ça, on va recevoir maintenant Bachir et Farid. Bonsoir Farid, bonsoir Bachir. Bonsoir. David. Est-ce que je peux parler? Bachir, puisque Farid il est un peu plus âgé que toi, ce n'est pas son tour, mais il veut parler un peu. On va le laisser d'abord qu'il parle un peu. Farid, tu es d'accord, merci, Bachir? Vas-y, Farid. Bonsoir, Bachir. Farid. Mais bonsoir, David. Merci, merci, Bachir. Et merci pour mon grand âge, le respect des vieux. Merci. Écoute, voilà, moi j'ai entendu Bernard, je trouve qu'il a complètement raison. Souvent, je suis d'accord avec Bernard, très souvent, il a une analyse vraiment. Juste. Et je le félicite. Parce que, Macron, Hollande, Sarkozy, se sont toujours pliés à une philosophie américaine, c'est-à-dire qui est l'ultralibéralisme. Et ils n'ont pas du tout la fibre nationale de leur peuple, de leur nation. Et justement, on parlait de Gaulle, il n'y en a plus, depuis De Gaulle, il n'y a plus de, comment on appelle ça, de quelqu'un qui s'occupe de son pays dans le sens de son peuple. Maintenant, c'est vrai que le monde est complexe, il y a des intérêts à défendre, des fois on est obligé de faire quelques compromis, mais je crois qu'il y a une part de dignité, et parce qu'il y a une philosophie générale, et la philosophie de tous les présidents, mis à part De Gaulle, ce sont des opportunistes qui sont arrivés au pouvoir pour servir les plus riches et une politique américaine et ultralibérale. Maintenant, la Russie, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer, comme l'avait suggéré Bernard, parce que dans le jeu des Américains, la Russie, c'est un ennemi, même si ce n'est plus l'URSS, ça reste un ennemi. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce qu'ils veulent garder la suprématie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, un gouvernement mondial, enfin, ou mondialisé, avec une poignée d'élites en tête des Américains et quelques Européens, une petite poignée, pour gouverner le monde, faire la pluie et le beau temps. Et ils se préoccupent pas du tout, de leur peuple. Ils n'ont pas de nation, ces gens-là. Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont qu'un portefeuille. Ils n'ont pas d'âme.
Et je crois que Macron fait partie des gens qui sont pro-américains, ultra-libérales, banquiers, non pas que c'est une honte d'être banquier, parce qu'il faut des banquiers, mais je crois que c'est un état d'esprit du prédateur et de l'élitisme, et peu importe la nationalité, peu importe, l'argent n'a pas d'odeur, on se plie et on essaye de faire partie des gens, voilà, de l'élite, et on est prêt à vendre son peuple. Voilà. Merci Farid, reste avec nous, tu vas encore... On va te donner l'entendre encore. Monsieur Lifa, bonsoir. Lifa. Voilà, c'est Lifa. Lifa, mais c'est le tour de Bachir. On va prendre Bachir. Monsieur Lifa, reste avec nous. On va prendre Bachir. Après, vous êtes trois avec Farid et Lifa. Et je vais passer... on va aller l'un sur l'autre, etc. Monsieur Bachir, on vous écoute. Bachir. Bachir. Oh, Bachir, il est parti. Lifa. Monsieur Lifa aussi, il est parti. Lifa. Ah. Lifa aussi, il est parti. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Allô? Vous pouvez revenir en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. David Abassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. On vient de retrouver notre ami Bachir. Bachir, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai dû quitter parce que comme je n'entendais pas Farid de mon poste, donc j'ai dû raccrocher pour pouvoir l'écouter à la radio. Donc oui, donc ce que je voulais vous dire donc concernant donc par rapport à Macron, le profil, enfin son statut, enfin où ça. Sa fonction actuelle dans le monde par rapport à cette fonction de la France, c'est encore une stratégie enfin de encore qui est plus de conquête. Alors c'est une autre forme de conquête, de richesse, de situation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde qui est parti depuis la relation avec l'Amérique et depuis la découverte de l'Amérique, les premiers pays déjà à s'enrichir, il faut bien comprendre, c'est que bon, c'est l'Espagne. Après, il y a eu le Portugal. Après il y a eu l'Angleterre. L'Angleterre, en parallèle, il avait créé le Commonwealth. Après t'as qu'à la France, enfin t'as d'autres, et après t'as tout l'exode, l'immigration de tous les pays d'Europe. La France était un pays de colonisateurs. L'Angleterre un pays du Commonwealth. Donc ces pays-là sont, ce sont des pays de conquête, de recherche de richesses. Et toute l'immigration vers les Amériques,
c'est à la recherche de la richesse, de s'enrichir. Donc c'est une mentalité qui est là pour s'approprier au chacun pour soi des richesses. C'est pour ça qu'il y a toujours cette conquête, elle continue. C'est devenu un peuple de inconsciemment, un peuple guerrier. Et bon, c'est plus forcément les armes, mais les stratégies pour créer d'autres des guerres, mais en dehors de leur pays. C'est des guerres économiques, c'est des guerres informatiques. D'ailleurs, ils sont toujours en relation avec la recherche de... vous n'avez pas remarqué, toujours de Mars. Pourquoi sont-ils attirés avec la planète Mars? Et Mars, justement, dans les mythologies, enfin dans la Grèce antique, Mars, c'est le dieu, ou je ne sais plus si c'est Rome, c'est le dieu de la guerre. Et donc, ils sont en relation avec les esprits de guerre, de conquête, de guerre, de s'approprier à soi les choses qui appartiennent aux autres. C'est pour ça qu'on... Macron étant ayant travaillé dans les secteurs banquiers sont dans ces mêmes esprits d'ailleurs ils sont à chaque fois les lois sont là pour au lieu de des lois ce sont plus des lois pour régler les formes de justice, ce sont des lois pour taxer les gens, ce sont des lois pour des formes de pickpocket, j'appelle ça des pickpocket législatifs, c'est-à-dire toutes les lois sont là pour ramasser des sous à droite, à gauche, pour justement maintenir leur propre pouvoir, parce que ils sont surmingés justement par les puissances. Monsieur Lifa, on va vous prendre. Monsieur Lifa aussi est avec nous. Lifa, bonsoir. Oui, Bachel, continue. Oui, donc ils sont submergés, Macron en France, par les pouvoirs. Macron n'a plus le pouvoir économique, ni même les pouvoirs de gérer une France comme elle le voudrait. Ils sont soumis déjà par l'Europe et l'Europe qui est guidée par l'Amérique. Donc, en réalité, est-ce qu'on doit continuer à élire des présidents puisque ces présidents-là ne sont plus utiles? Autant élire des présidents, un président d'Europe. Alors ça, c'est une mauvaise idée de ma part, je ne ferai jamais faire ça. Non, il faut trouver des présidents qui sont qui ne parlent pas, qui ne sont pas européens, et qui sont profondément nationales. Car seule l'identité nationale va permettre d'asseoir ses richesses et donc sortir de la soumission. C'est pour ça que la France insoumise, malgré ce qu'on peut dire sur Mélenchon, mais de se sentir de sortir de la soumission, il faut absolument sortir de la médiation avec des gens qui seraient plus honnêtes, pas forcément des gens. Vous savez, les francs-maçons étaient critiqués pendant la guerre. Pétain rejetait les francs-maçons, donc ça voulait dire que les francs-maçons avaient peut-être des choses de qualité s'ils étaient rejetés par les nazis. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Merci Bachir, restez avec nous, on va prendre Monsieur Lifa. Monsieur Lifa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Monsieur Lifa, on vous écoute. Oui, alors moi mon propos, c'était de souligner le caractère pertinent de Monsieur David Abbassi sur le thème
de ce soir. Oui. Donc, on vous écoute. Je téléphonais pour souligner le caractère pertinent de votre thème de ce soir, parce que j'ai dans les mains un ouvrage qui s'appelle La France face à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Monsieur Diffon, n'écoutez pas votre poste de la radio, puisqu'il est en décalage. Continuez à parler et baissez le son de la radio. Écoutez-nous à partir de votre combiné de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Et on vous écoute. On est là à vous écouter. Allez-y, continuez. Très bien. Donc je disais que je soulignais le caractère pertinent de la thématique de ce soir par M. David Abbassi, parce que j'ai entre les mains un livre qui s'appelle « La France face à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique ». Un livre que je recommande à la plupart des personnes qui écoutent la radio ce soir en même temps que moi. Ça, c'est un aspect. Je recommande donc à la plupart des personnes de se procurer ce livre. Mais au-delà de ce livre, je voulais dire que moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, qu'on appelait le Zaïre, qui compte 80 millions d'habitants et donc à peu près 70 millions de personnes qui parlent le français, dont des francophones. Vous voyez, je parle français. La langue officielle de mon pays, c'est le français. Lorsque j'ai quitté le Congo-Kinshasa pour venir en France et poursuivre mes études il y a 30 ans exactement, je venais parce que la France représente un idéal d'une culture, d'une tradition francophone et qui parle et qui véhicule un esprit lié à la langue française. Et qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui depuis 10 ans? C'est l'invasion de l'influence américaine à travers notamment le langage de l'anglais, des thématiques, des termes anglophones qu'on appelle le globish. L'anglais mal parlé par beaucoup de Français et qui veulent de plus en plus influencer la culture française, le mode de vie français et la mentalité française à travers tout ce qui nous vient des États-Unis d'Amérique et qui n'est pas forcément quelque chose de positif. La France est un pays suffisamment traditionnel, suffisamment ancré, suffisamment, on peut dire, costaud pour, au contraire, non seulement résister, mais donner un contre-modèle à l'influence américaine. Lorsqu'il s'agit de démontrer si l'Amérique, les États-Unis ont un projet d'invasion ou d'infiltration ou simplement de saper la France, la culture française, l'histoire de la civilisation française, ben on le voit tous les jours à travers le mode de consommation, la télévision, la production cinématographique américaine qui supplante le génie français. N'allons pas loin, regardons autour de nous. Je crois vraiment que si les citoyens, d'où qu'ils viennent, les étrangers, espagnols, italiens, yougoslaves, russes, ou africains qui vivent en France, ou même algériens qui vivent en France, on peut très 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 facilement se rendre compte que oui, il y a un projet, moi je dis, un projet délibéré de la domination de la France par la soi-disant, parce que moi je conteste, et donc je dis la soi-disant civilisation américaine qui, malheureusement, par sa puissance d'argent, sa puissance militaire, son idéologie tend à supplanter le peuple et l'intelligentsia française qui est complice et qui joue le jeu, peut-être par perversité, peut-être par dénégation, par refus de soi, par déni de soi, par défaitisme, par démobilisation, l'intelligentsia française, la classe politique française a complètement accepter de reléguer la France derrière la pauvre civilisation américaine,
la situation américaine qui est très appauvrissante. Et moi, je le regrette. Je vis en France depuis 30 ans et je ferai tout, ne serait-ce que parce que il existe un organe qui s'appelle la francophonie. La francophonie, un organe qui est créé pour la promotion de la langue française et de la culture française, ne serait-ce que parce que moi, je suis du Congo-Kinshasa, qui contribue d'une manière ou d'une autre, peut-être pas financièrement, mais ne serait-ce qu'en termes de présence, à la réhabilitation de la culture française, ne serait-ce que par rapport à ça, je me sens solidaire de la résistance et de la nécessité de résister face à cette hégémonie américaine. Voilà, c'était l'objet de mon intervention pour la belle émission de M. Abassi. Et si je peux contribuer à nourrir, à approfondir cette thématique, je suis tout à fait disposé. Je vous remercie. Merci, M. Dufas. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et c'est qui l'auteur de la livre que, le livre que vous venez de le présenter? C'est écrit. Alors, l'auteur de ce livre, c'est M. William Macbeth. William Macbeth. Et ce livre est édité aux éditions La Bruyère. Et je voulais rebondir pour dire aussi que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de l'auteur de ce livre il n'y a pas très longtemps, c'était le 28 juillet, lors d'une commémoration pour honorer, c'était la commémoration pour commémorer l'histoire de l'Iran et l'histoire de la royauté persane à travers le dernier Shah d'Iran, le 28 juillet, à la mairie du 16e arrondissement. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur de ce livre, M. William Macbeth. C'est un livre vraiment de référence, La France face à l'hégémonie des États-Unis. C'est un livre assez consistant, d'à peu près 300 pages, et qui se conclut en disant « Aujourd'hui, on veut nous imposer le rêve américain, entre guillemets, le rêve américain, entre guillemets, on veut nous imposer le rêve américain qui se traduit par une invasion qui n'ose pas dire son nom, il faut réhabiliter la France. La France est toujours une civilisation majeure du monde et elle est en danger. C'est pour cela qu'il faut la sauver. » Voilà comment se conclut la quatrième page de couverture de cet ouvrage. Merci de votre intervention, M. Lifa. Je vous remercie beaucoup. C'était très riche. Chaque fois que vous sentez que vous avez des choses à nous dire, vous êtes le bienvenu sur notre antenne. Je vous remercie, monsieur. Merci. Voilà, c'était M. Lifa sur 95.2 FM. L'information qu'il nous a transmise, c'était très intéressante. C'est ça. L'ennemi, enfin, le concurrent, il est très très fort. Il faut faire attention. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. France-6
opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, j'ai Farid et Pierre qui nous. Tu sais Farid, je crois que Pierre il va pas donner de son temps à toi puisque c'est son tour. Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir. Farid, bonsoir. Oui, je suis le bibliothèque précédent. Allô? Oui, Farid aussi est avec nous, Pierre, vas-y, oui. On vous écoute. Au sujet de l'auditeur précédent, je veux me dire qu'il a dit que 80% des Congolais de Congo... Kinshasa, par les Français. Ça m'étonne rien parce que j'avais une carte des pays francophones dans le dictionnaire et il y a que quelques pays qui ont plus de 115% de francophones. Il y a l'Algérie, il y a le Congo-Brazzaville, pas Kinshasa, Brazzaville, le petit Congo. Il y a le Québec, il y a la partie belge de francophone de la Belgique, il y a le pays francophone de la Suisse et puis c'est à peu près tout, hein. Si tous les pays de des colonies françaises parlaient français, étaient francophones, il y aurait probablement plus de 400 millions de francophones dans le monde. Je crois qu'il y en a à peu près 200 millions actuellement. Cela dit, il est possible qu'avec le fait que la génération montante, les gens vont plus à l'école qu'avant, il y a peut-être plus de francophones chez les jeunes maintenant qu'avant, que dans les anciennes générations. Dans l'Afrique subsaharienne, souvent les gens parlent encore leur dialecte tribal probablement. Il y en a qui parlent français, mais ils sont pas la majorité apparemment. Je vais intervenir pour ça et pour dire en fait finalement qu'on parle beaucoup des États-Unis. Oui, attends, on va laisser Farid parler. Tu vas continuer tout à l'heure. Oui, Farid, bonsoir. Farid. Oui, rebonsoir. Merci, David. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter le monsieur Lalifa. Et vraiment, il a... une élocution extraordinaire, son admiration, je le salue. Et puis sur le fond de ce qu'il a dit, moi je suis tout à fait d'accord, mis à part le côté du chat d'Iran, là, qui m'a un peu... là, c'est un petit peu la chose où peut-être j'aurais quelque chose à dire contre ça. Maintenant, pour revenir à ce qu'avait dit tout à l'heure Bernard concernant la déstabilisation du Moyen-Orient, bien entendu, parce qu'il y a des richesses qui sont assez concentrées là-bas, notamment le pétrole et le gaz. Et si les Américains ont mis leur grain de sel là-bas, c'est tout simplement pour pouvoir s'accaparer les richesses, puisqu'ils essayent de diviser l'Irak, particulièrement avec le Kurdistan, avec les parties kurdes, pour qu'il y ait justement que c'est la partie la plus riche en pétrole, c'est le Kirkuk. Et ce n'est pas par hasard, et ils sont toujours là où il y a, là où il y a du miel, ben on voit les mouches qui tournent autour. Et les Américains, ce sont des prédateurs, et ils sont là non pas pour le bien-être des Kurdes ou l'autonomie des Kurdes, ils sont là parce qu'on vous aide, mais le résultat c'est qu'une fois qu'on vous a aidé, ben on va exploiter les puits de pétrole parce que c'est une richesse importante. Donc voilà, bon, ben ils veulent déstabiliser ou soi-disant apporter la démocratie en Irak. C'est du bidon, tout simplement, c'est pour s'accaparer les richesses. Et en même temps, bien sûr, pour tant qu'à faire d'une pierre deux coups, on déstabilise les pays qui peuvent devenir puissants, tels que l'Iran, tels que la Turquie. On a essayé de leur faire un coup d'État. Et je crois que Erdogan, je ne le connais pas particulièrement, je ne suis pas assez qualifié, mais je crois qu'il a dit, de toute façon, Allah est avec nous. Et j'espère que c'est un message qui signifie que toute la politique américaine est basée que sur le pognon. Ils n'ont aucune spiritualité, ils n'ont aucune nation, ils n'ont aucun principe, ils n'ont aucune frontière, ils n'ont que des intérêts. Et par conséquent, ils sont prêts de s'allier avec le diable s'il le faut, puisqu'ils le font avec l'Arabie Saoudite. Et ce ne sont pas les plus vertueux du monde musulman. Voilà, je vous salue. Au revoir. Oui, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non,
j'ai pas tout entendu, je viens d'avoir tout entendu. Je viens de me dire, je suis aux États-Unis, que c'est peut-être une vieille lune, parce que maintenant, il y a de plus en plus de Français qui appellent les Chinois. Les Chinois, c'est plus en ce moment, hein. Ils vont peut-être mettre en place les États-Unis comme puissance économique. Et on aura peut-être tous ces jeux brisés culturellement dans pas tellement longtemps. Voilà. Ceci dit, j'aimerais dire que le salut pour la France, c'est pas de se replier sur elle-même frileusement. Ça fait partie de l'Europe. Ça fera un grand bloc. Culturellement, il y a une culture européenne quand même, je pense, même si c'est des langues différentes et tout. Il y a une sorte de culture européenne qui existe quand même d'ensemble. C'est un bloc de 400 à 500 millions d'habitants qui est plus riche encore que les États-Unis, en PIB, je crois. Donc, de ce côté-là, il y a du répondant et on peut tenir tête aux États-Unis si on fait partie de l'Europe. Si on se replie sur soi-même, c'est pas la solution, à mon avis. Il y a plus de grands blocs culturels et industriels et commerciaux dans le monde, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, la Russie peut-être, qui sont des. Peut-être bientôt le Brésil, je ne sais pas si on peut considérer le Brésil aussi dans les grandes puissances. Et pour tenir tête à tout ça, à mon avis, la seule solution, c'est l'Europe. Mais l'Europe, en majorité, ils sont avec les Américains. Non, pas du tout. Ça dépend quel pays d'Europe. C'est dans quel pays d'Europe. Il faut d'ailleurs que l'Europe accorde ses violons, au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue fiscal, au point de vue ainsi de suite, pour que, en France, au point de vue climatique aussi, diplomatique, pour faire une diplomatie commune, pour contrer les grandes puissances, les autres grandes puissances de ce monde. Comment ça se fait, Pierre? Ouais. Écoute, Pierre, comment ça se fait? On vous pique plusieurs milliards de dollars, les Américains, officiellement et non officiellement, par les amendes ou non amendes, par l'embargo contre certains pays qu'eux-mêmes ils vont traiter avec eux. Et toi, tu dis non, non. C'est quoi, non? Réfléchis un peu. Les Américains, c'est le gagnant, et l'Europe, c'est le perdant, et la majorité de l'Europe. Ils jouent contre l'économie de leur pays en faveur des Américains. Ils sont bien bêtes, alors. Non, ils ne sont pas bien bêtes. Ils sont bien bêtes. Mais par contre, les Américains, ils jouent bien. Ils achètent les médias, ils achètent les forces économiques des pays, ils font des investissements. Après, ils manipulent les gens. Et voilà. Tu sais pourquoi Dominique de Villepin, pourquoi il était exclu de la politique française? François Fillon, moi ici je ne soutiens pas, c'est-à-dire je ne défends pas ces gens-là. Je suis en train de vous informer, c'est des informations que je vous donne. Dominique de Villepin, pourquoi? François Fillon, pourquoi on les a écartés de pouvoir avec les scandales que vous avez pu constater? Pourquoi? Seulement puisque Dominique de Villepin, quand il a fait son discours aux Nations Unies à l'époque de Jacques Chirac, ils ont compris que c'était quelqu'un qui n'aimait pas traiter les Américains comme les autres ils traitent. Comme quoi? Il n'était pas d'accord avec les Américains. C'est-à-dire, ah, d'accord. Voilà. Oui. François Fillon, c'était la même chose. Et c'est pour ça que le matin, vous vous levez à 8h, 6h du matin, on était en train de matraquer Fillon, costume, sa femme, et ses. Les autres ne font pas, tout le monde fait ça. Mais c'est ça la force des États-Unis, c'est qu'avec son dollar et tout ça, il peut manipuler. Il manipule. Mais une chose qu'il y en a, que je sais les gens qui n'aiment pas, parce qu'il y a certains qui sont un peu dogmatiques. Ah, il dit, ça je n'aime pas, après c'est fini, comme un plat. Il n'aime pas le pizza, alors il n'aime pas le pizza. Je sais que vous êtes peut-être nombreux de ne pas aimer Macron, mais il y a certaines vérités qui dans 30 ans, dans 40 ans, va sortir et vous allez entendre, vous allez écouter. Certaines choses, je vais vous dire tout de suite, Macron, ça je l'ai dit avant qu'il soit président. J'ai dit, il n'est pas un guerrier. Il ne va pas aller chercher la guerre, même pas, il ne va pas faire les guerres, c'est quelqu'un de la paix. Après qu'il est venu, il a pris le pouvoir. Lui, on l'avait proposé des guerres, mais il ne l'a pas accepté.
par les Américains, par les Arabes. Des guerres réelles ou des guerres économiques? Des guerres réelles, des guerres économiques, ils sont venus après. Pourquoi la France a perdu plus? Moi, tu me connais, tout le monde, vous me connaissez, qui suis-je? David Abbassi, voilà, 40 ans de combat pour la liberté internationale, et bien sûr, mon pays d'origine, l'Iran. Mais ce que je veux vous dire, je ne dis pas que l'Iran, c'est mon patrie, et c'est mon origine, non. Je dis, comme un Français, si je regarde, plusieurs milliards de dollars, la France a perdu sur l'Iran à cause des Américains. Et ça... Au lieu de 120 Airbus qu'ils voulaient l'acheter, maintenant on va les vendre des Boeing. On va les vendre des Boeing, vous allez voir. Des Boeing, mais pas directement. Par Arménistan, par Azerbaïdjan, par Tadjikistan, par la Turquie. Ah, c'est-à-dire, les Américains, ils font leur business. Le riz. Mr. Oncle. Le riz américain... Il existe en Iran depuis 40 ans jusqu'à maintenant. Et beaucoup d'autres choses. Mais ils viennent avec Medi Inde, au lieu que ça soit Medi. Les choses, ils viennent avec le tampon de l'Inde et de l'autre pays. Et ça, plusieurs dizaines de fois, était éclaté en Iran. Ce truc-là, il vient des États-Unis. Pourquoi il a Medi. Pour l'Iran, vous voyez, un grand problème, c'est que l'accord qui était signé avec les Iraniens, ça ne prévoyait pas ce qui passerait après que les années de gel du programme nucléaire iranien seront passées, ce qui passerait. Ce n'est pas prévu, ça, autant que je sache. Alors c'est grave. Ils peuvent arrêter 10 ans, reprendre après, et bon, ça se trouve comme devant. C'est pas très malin. Alors, Bush, il va à un autre accord, et ça peut discuter. Apparemment, c'est pas idiot. Et il veut faire présent sur les Iraniens économiquement pour les forcer à ce qu'il veut comme résultat de ce côté-là. Non, c'est la mondialisation, Pierre. La mondialisation, c'est ça. C'est-à-dire, en Iran ou en Turquie, par exemple, l'essence, il est à 25 centimes. D'accord ? En France, nous sommes à 1,60€. Ça colle pas. N'importe quel médicament, en Iran, en Turquie, il est de 50 centimes. En Europe, il est de 1,50€. Les prix ne collent pas. Il faut une égalité des prix pour le capitalisme international, pour la mondialisation. Le degré des bons. Quand j'ai fini, je te donne la parole. Alors, cette égalité des prix, c'est la volonté de la mondialisation. Mondialisation, maintenant, il te demande de manger de bananes. Il ne dit pas de quelle banane, parce que tout est lié. Tu peux pas être en Iran ou en Turquie ou je ne sais pas où et toujours un autre jour. C'est vrai que le peuple devient plus pauvre qu'avant, mais la monnaie iranienne doit chuter. La monnaie turque doit chuter pour que l'économie mondiale, parce que ce qui est dans l'économie mondiale qui est en vogue, le pauvre, c'est rien du tout. On ne regarde pas qu'est-ce qu'ils font les pauvres s'ils ont à manger, on est comme dans les guerres. On ne regarde pas si c'est un bus qu'on va le frapper, c'est un avion ou c'est un mosquée, église, canissate ou tatati. On fait la guerre. Mondialisation aussi, c'est ça. Monnaie doit chuter. Tu sais ou non? Ça, vous ne le savez pas peut-être. Monnaie iranienne, on parle de la Turquie, mais on ne parle pas d'Iran. On parle de la chute de la monnaie turque, mais on ne parle pas de la monnaie iranienne. Monnaie iranienne, il a chuté 5 fois plus qu'il y a déjà 2 mois. C'est-à-dire, 1 dollar était à 300. Aujourd'hui, il est à 1500 en Iran. Et ça, c'est exprès. Tout ça s'est monté. Oh, les missiles que l'Iran il avait, on les a frappés, on les a détruits, les missiles. Même, il a quitté... parce qu'on l'a forcé, il a quitté la frontière avec l'Israël. Même on est au courant que tous les sites qu'il avait en Syrie s'étaient frappés. Mais ça c'était militairement, mais économiquement aussi, il fallait que le marché mondial s'accole avec les prix. Ces deux pays-là, qui étaient des deux pays avant-garde de l'islam et de l'exportation de l'islam dans le monde, il faut les arrêter. Alors, ils ont arrêté comme ça. Les pays, les communistes ne sont pas des idiots, ils savent très bien que les prix sont liés au niveau de vie.
plus un pays est pauvre, les pays sont bas dans ces pays-là, parce qu'il faut bien s'aligner sur le niveau de vie de la population pour se satisfaire quand même moins bien que le pays, c'est pour satisfaire quand même en partie leurs besoins. C'est pas des idiots les commis, ça serait bien que les clés des prix, ce sera que quand le niveau de vie sera pareil dans tout le monde entier. Faut pas prendre exemple pour une imbécile, il y a le contraire. Ceci dit, on y verra le résultat peut-être dans un siècle ou deux, je sais pas quand il sera là, il fera le boulot peut-être. Enfin bon, toujours est-il qu'à mon avis, ça prendra du temps, parce qu'il y a quand même une grande disparité de niveau de vie dans les pays entre les pays du monde. Il y a des pays émergents maintenant qui rattrapent leur retard, et c'est pas les moindres pays des pays pauvres. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, la Chine, qui rattrapent leur retard et qui vont probablement dans 50, 60 ans avoir un niveau de vie comparable avec les pays riches peut-être. Et ça se répercute dans d'autres pays, ça va en partie. J'ai lu un bouquin à ce sujet, il parlait de que les pays en voie de développement se développaient comme un vol d'oie. C'est-à-dire qu'il y a un pays de tête qui entraîne d'autres pays, ça fait un vol qui rattrape son retard de plusieurs pays. Bon, c'est pas ce qu'on connaît aux États-Unis, cette radio, hein. C'est fort, hein. C'est pas un pays idéal, il y a pas de pays idéal, ils ont pas eu une étude, par exemple, à la Shoah, ils ont pas eu une étude très positive. On décide d'empêcher la Shoah, ils ont rien fait, ils n'ont pas posé le petit doigt. On peut les critiquer, on peut critiquer les Savages qu'ils ont maintenus jusqu'en 1865 dans leur pays. On peut critiquer qu'ils se sont fait piéger à Pearl Harbor comme des enfants. Ils sont trompés, il y a eu des erreurs dans ce pays, c'est sûr, hein. Mais de là à toujours taper sur eux, je suis pas d'accord. Ils ont quand même... il y a beaucoup de prix Nobel américains, et le prix Nobel, en principe, c'est fait pour affronter l'humanité. Il y a des prix Nobel européens aussi, des prix Nobel des pays pauvres, il y en a très peu, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire une recherche très poussée. Mais voilà. Donc, attends de taper sur les États-Unis, quoi. Et en plus, maintenant, je vous le dis, hein, c'est mon Chine maintenant qui va prendre la relève. D'ailleurs, la preuve qu'il y a une nuance chinoise dans le monde, c'est qu'un quart des restaurants en France ont les yeux bridés. À ce qui paraît. Donc, il y a une influence aussi chinoise culturellement, puisque la nourriture, c'est aussi, voilà, ça fait plus de la culture aussi. Donc, il y a raison de toujours dire les États-Unis, Et les McDo, d'accord, il y a aussi la cuisine chinoise, la cuisine tout ce qu'on veut. Et ainsi de suite. Bon, je crois que... Mais qu'est-ce que tu as à dire à ce que j'ai dit? Alors, 08 92 23 95 20, nous sommes avec Pierre. Mais tu sais, Pierre, sur ce sujet-là, tu as tout à fait raison. L'invasion des Chinois en France, surtout à Paris. À Paris, nous avons constaté que vous voyez chaque jour plus en plus des Chinois qui achètent des appartements, qui achètent des boutiques et qui ouvrent des commerces. C'est vrai, ça, Pierre, il a raison. C'est-à-dire, les Arabes de Golfe Persique, ils ont acheté des bâtiments. Oh, et comme Virgin sous le Champs-Élysées, etc., etc. Mais les Chinois, au lieu d'un Virgin, ils achètent 150 boutiques. Par exemple, actuellement, vous allez rue de Ponthieu à Paris, parallèle avec Avenue des Champs-Élysées, par Boétie ou par Colisée. Vous allez voir rue Ponthieu, et d'ici et quelques mois, on va dire rue Pongtintong, puisque les Chinois, ils sont en train de l'acheter les boutiques, transférer en restaurant chinois, qui marche bien. Et comme Pierre l'a dit, c'est vrai, la majorité des restaurants va être chinois d'ici 5 ans. Mais ils sont gentils quand même, hein. C'est-à-dire les Chinois ne sont pas agressifs, et ne sont pas violents, ne sont pas voleurs. La note qu'ils vous donnent, c'est la note réelle. Autre chose, je ne sais pas si vous avez constaté ou non, vous allez dans n'importe quel supermarché, ou vous mangez dans des restaurants, un sur deux, vous trouvez au moment de la note que la note ne correspond pas avec ce que vous avez consommé ou ce que vous avez acheté.
Ça arrive dans la plupart des grandes surfaces, pas pour la plupart, certains. Surtout, il y a certains de ces grands supermarchés que moi-même j'étais témoin, puisque j'étais victime plusieurs fois. Il y a un endroit, chaque fois, quand je calcule, je vois le prix ne colle pas. Par exemple, il a mis un poisson, panier de poisson, par exemple, il a mis à 4 euros. Ce panier, ce poisson, exactement la même chose. Mais tu le prends, dès que tu arrives à la caisse, c'est 4,90€ ou 6,10€. Plusieurs fois, tu retournes, il dit « Ah oui, oui, c'était mal placé. Cette poisson doit être là, ça doit être là. » Oh, on vous vole comme ça aussi. Hein. Mais les Chinois ne vous volent pas comme ça. Le prix, c'est affiché. Malheureusement, Il y en a des problèmes, mais les Chinois, c'est vrai, Pierre, il a raison. Ils sont en train d'avancer dans la plupart des immeubles. Il achète tout de suite des immeubles. Il dit combien ça coûte? Mon voisin, il avait un appartement, il voulait le vendre à 200 000 euros. Et le prix, il avait mis à 225 000 euros. Il avait presque signé, il voulait signer à 225 000 euros, 200 euros, j'en sais pas, des deux. Alors, un Chinois, il vient, il voit l'annonce. Il connaît l'appartement puisque son copain habite dans le même appartement. Il dit, moi, je suis acheteur à 250 000. Ah, le propriétaire, il est content. Il le vend. Vous voyez? Alors, je ne sais pas maintenant vous, Bruno, si vous avez Bruno, vous avez des appartements à vendre ou non? Et l'histoire des Chinois, vous l'avez rencontré? Des exemples ou non? L'appartement à vendre? Non, pas tellement. Non, je voulais faire une intervention. Bon, écoutez, j'écoute votre émission. Vous vous rappelez, j'avais appelé la dernière fois sur l'affaire Benalla, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Non, je voulais intervenir, oui, sur l'Iran. Vous savez, ça me passionne, parce que je pense aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un grand devin ou un grand prédicateur pour savoir aujourd'hui qu'il y a un problème en Iran. Mais contrairement, et M. Abbassi, je pense que là je vais vous en parler, parce que j'ai vu un reportage assez étrange sur le nom Iran. Et en fait, il y avait quelque chose qui posait problème. Bruno, que l'Iran, Bruno, pas l'Iran. Bruno, Bruno, oui. S'il te plaît. À ce sujet, j'ai déjà discuté face à face avec Bernard-Henri Lévy. Ce que Bernard-Henri Lévy il a écrit dans son dernier livre, c'est un mensonge. Alors, et que vous répondez face à ça, parce que juste attends. D'accord, je vais te répondre. D'accord. Écoute maintenant, Bruno. Déjà, j'ai fait une face-à-face avec Bernard-Henri Lévy dans la synagogue de Copernic à Paris, face-à-face avec lui. Il y avait 400 personnes aussi. Tu sais, Bernard-Henri Lévy, ici, seulement ici, peut-être ailleurs aussi, mais moi, je le critiquais ici, il se trompait. Regarde-moi, David Abbassi, Bruno. Non, mais attendez, monsieur Abbassi, juste, il faut rappeler aux auditeurs, et moi je ne suis pas anti-Iran, je ne dis pas ça. Je dis que, et c'est des faits historiques, donc il faut rappeler les faits historiques. Je suis en train. Attendez, monsieur Abbassi, juste, c'est votre émission, je vous respecte, mais on peut parler de tout dans cette émission, y compris de l'Iran. Donc, il y a un problème sur l'Iran. Bon, bien entendu, aujourd'hui, c'est islamiste. Mais bon, mais le problème, moi, je crois qu'il ne remonte pas aux islamistes. Je ne parle pas du peuple iranien. Je dis qu'il y a eu, dans l'histoire de l'Iran, notamment avec le Shah d'Iran, une complicité active, avec les nazis. C'est pour ça que le nom qui s'appelait Perse jusqu'en 1935 a changé. Et a changé pour plaire, entre guillemets, aux Hitlériens, à l'Allemagne nazie, et s'est appelé Iran. Iran, c'est, je crois, vous devez mieux connaître le Perse que moi, c'est de la racine aryenne. Et donc, on voulait, entre guillemets, dire que, et paraît-il, il y avait des archéologues qui avaient... Allô? Bruno. Oui. Bruno. Attends, est-ce que tu vas m'écouter ou non une minute? Je termine après. Non, tu vas m'écouter une minute ou non? Tu vas m'écouter quand même une minute ou non? Ah, mais moi je vous écoute. Merci. Attends que je parle deux minutes, après tu as 10 minutes à parler. Est-ce que tu es d'accord ou non? Deux contre 10, ça me fait 5 fois plus. Non, voilà, parce que je suis gentil, je suis David Abbassi, Bruno. Écoute ça. Ce que tu viens de dire,
c'est le propos de Henri Bernard Lévy, c'est des mensonges. Il devrait retirer de son livre. C'est David qui l'avait dit. Attends, écoute, c'est ce que je vais te dire. L'Iran, c'était nom de l'Iran depuis 7000 ans. Je suis un historien. Oui, je ne suis pas seulement iranien. Attends que je finisse. Bruno, on est contre les ayatollahs. On est contre l'Iran. Oui, était exécuté. Oui, on était assassiné, tué seulement puisque notre nom c'était David, etc. Mais on veut rester honnête et ne pas dire ce que Bernard-Henri Lévy il a dit qui n'est pas vrai. Écoute pour ça 2 minutes. Quand même, tu es un homme de vérité quand même. Écoute 2 minutes. David Abbassi, il a fondé une association en 1983 en France. Le nom, c'est l'Association culturelle franco-persane. Écoute bien, franco-persane. Depuis, j'ai encouragé le monde iranien de dire qu'ils sont perses et ne sont pas iraniens à cause des ayatollahs. Tu prends note de ça, ce que je suis en train de te dire. Maintenant, si tu vois un iranien n'importe où dans le monde, tu le demandes, tu es iranien, s'il t'a dit que je suis perse, sache que c'est un membre de mon association où ses parents étaient membres ou un de mes fidèles. C'est-à-dire, moi, j'étais depuis 40 ans pour lancer le mot perse au lieu de l'Iran. Et si tu ne le sais pas, je vais te dire. Le nom de mon radio, même dans le logo de cette jingle de mes émissions, il dit « Soleil de Perse ». La radio aussi que j'ai depuis 35 ans, l'émission que j'ai, c'est « Soleil de Perse ». Voilà, c'est-à-dire la Perse, c'est mon idéal, c'est moi. Mais malgré ça, ce que j'ai dit à Bernard Henri Lévy, celui qui l'a écrit ça, que je vais te dire, et tu n'as pas le droit de le répéter, puisque je viens de t'informer, on peut attaquer les ayatollahs dans tous les domaines qu'on veut, mais on ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas correct. Et ce soir, tu vas apprendre une leçon. Comme un juif, nous sommes fiers de dire que le pays des Aryens, c'est le pays des juifs aussi. Pour ça, écoute ce que je vais te dire. Et seulement puisqu'il Bernard il a l'identité de judaïsme avec lui, qu'il est juif, il n'est pas un prophète et tout ce qu'il dit c'est pas vrai. Alors la Perse c'était le nom que l'Europe, non la Grèce, il a donné à l'Iran. En Europe on disait la Perse, mais l'Iran depuis des milliers d'années son nom était Iran, et Iran c'est le pays des Aryens. Écoute bien ça aussi que je veux te dire. Aryens dans la langue avestique, dans la langue sanscrite, dans la langue persane, dans toutes les langues indo-européennes, Aryens ça veut dire l'homme noble, l'homme propre. Tu peux aller chercher dans le dictionnaire. Ça ne veut pas dire meilleure race du monde, ce que Hitler il a dit. Ce connard-là, il n'a pas bien traduit le mot Aryan. Arya, le pays des Aryans, ça veut dire le pays des hommes libres, le pays des hommes honnêtes. Et Adam et Ève sont des Aryans. Autre chose que je veux te dire, écoute bien. Tu tapes sur l'Internet, tu vas voir combien de noms Arya en masculin et Aryane en féminin existent parmi les juifs, en Israël surtout en Israël, et surtout dans la synagogue de Copernic, que j'étais face à face avec Bernard-Henri Lévy. Il y a un responsable dans cette canissade qu'elle s'appelle Madame Aryan David. Si Aryan, ça veut dire le meilleur race que Hitler il a dit, le papa de David, Madame Aryan David, n'aurait pas nommé sa fille Aryan, qui est masculin d'Aria, et beaucoup d'autres choses. C'est une erreur, et ça, c'est une parole qu'un Kurde arabe, il a dit à Bernard-Henri Lévy, et Bernard-Henri Lévy, cet propos, il a pris, il a mis ici. Sinon, Bruno, s'il te plaît, tu vas aller chercher dans les livres d'histoire, il y a déjà 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans,
Aria, ça veut dire l'homme libre. Et le nom de l'Iran, c'est l'Iran. Dans le Torah, quand on parle de Cyrus, roi Cyrus, Esther, et tout ça, l'Iran, c'est Iran. La Perse était ici. Ça s'est changé pas en 1935, en 1933. Et Hitler n'avait pas encore la force. Et ce n'est pas le Shah d'Iran qui a changé ça. C'est son père. Son père, il a dit aux Européens, « Moi, mon pays s'appelle Iran depuis des milliers d'années. Pourquoi vous, vous le nommez ?» Perse, qu'il a changé. Mais moi, j'étais un militant depuis toujours jusqu'à maintenant de dire Perse. Mais ici, que Bernard Henri Lévy, il vient, il impose un mensonge sur l'histoire d'un pays qui est l'origine des Juifs, tu le sais pas. L'origine des Juifs, c'est l'Iran. L'origine de Bernard Henri Lévy, c'est l'Iran. Il est de tribu de Merzaï. Merzaï, c'est un tribu perse iranien quand on cherche dans l'histoire. Actuellement, il y a les politiques, il y a les Arabes qui financent pour frapper les ayatollahs. Moi, je suis d'accord de frapper. Personne n'a pas frappé les ayatollahs, l'islam politique comme David Abbasi. Mais il ne faut pas dire des mensonges, il ne faut pas dire n'importe quoi, Bruno. Monsieur Abbasi, bon, là vous êtes exprimé, je vais m'exprimer. Sur ce prénom, ce nom Iran, donc j'intervenais sur votre émission pour avoir une explication de votre part. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il y a toujours eu deux noms, comme vous l'avez à juste titre rappelé. Il y avait Perse et il y avait Iran, depuis 2000 ans. Maintenant, il y a une chose qui est bizarre, c'est qu'ils ont changé le nom officiel dans les ambassades de la République islamique d'Iran. Ils l'ont changé en 1935... pour, entre guillemets, avoir les bonnes grâces de l'Allemagne nazie. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs appellations, et donc il y avait, une petite complicité, peut-être, avec l'Allemagne nazie. Voilà. Bon, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Vous avez répondu. Maintenant, moi je crois... J'ai répondu à votre question, n'est-ce pas, Bruno? Oui, tout à fait. Merci. Tout à fait. Oui, j'ai répondu. Bon, ce n'est pas vrai, ce que vous... Peut-être que... entre guillemets, peut-être que l'Iran, comme beaucoup de pays arabes, parce que c'est ça, véritablement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est... Pardon, Bruno, je vais t'arrêter d'ajouter d'autres choses que j'ai oubliées. Tu as la parole, ne t'inquiète pas, tu as la parole, d'accord? Autre chose que je vais te dire, c'est très important, écoute bien. Reza Shah, c'était le père de Shah d'Iran qui a demandé aux Européens de nommer Iran comme Iran, qui était depuis 7000 ans. Et il a dit, la Perse, c'est vous que vous nous avez donné, vous donnez dans vos médias, enlevez, mettez la Perse. Ce n'est pas sous l'instruction de Hitler, puisque Hitler, il est venu au pouvoir 2 ans après. C'est première chose. Deuxième chose que je vais te dire, c'est très important, Bruno, s'il te plaît, écoute ce que David te dit. Tu sais, Reza Shah, cette personne qui a changé le nom, il a sauvé plusieurs milliers de Juifs. Comment il les a sauvés? Tous les Juifs, à l'époque de Reza Shah, ils avaient le droit de venir en Iran. Et son premier ministre, avec l'autorisation de Shah d'Iran, il donnait le passeport iranien aux Juifs qui venaient de l'Europe, de la Russie, pour aller en Israël. Ça, c'est écrit dans l'histoire. Tu peux aller le lire. Tu vas consulter des grands rabbins. Des grands rabbins, tu vas aller consulter. Bernard, c'est un homme politique. Il a fait la guerre en Libye, il a téléphoné à Sarkozy, envoyé ici patati, et Bernard Henri Lévy voulait changer le pouvoir là-bas, il voulait changer... C'est un homme politique. Mais je vous prie d'aller demander ça des rabbins. Reza Shah, il a sauvé plusieurs juifs, plusieurs centaines de juifs, et ça c'est écrit dans l'histoire, c'est-à-dire ce que tu as répété 3 fois, ce que Bernard il a dit, merci, tu as pris, écoutez mes interventions, n'est pas correct. Autre chose qui est très importante, et les Britanniques, ils ont fait chuter le régime de Shah d'Iran, son père. Mais ils voulaient enlever le monarchie en Iran, il y a déjà 65 ans, 70 ans. C'est un juif, on voulait tuer en plus Reza Shah. C'est un juif iranien qui va sauver le père de Shah d'Iran, Reza Shah. Il va aller voir les Britanniques, il va dire pourquoi vous voulez le tuer. Prenez le pouvoir de lui, donnez à son fils et exilez-le, et voilà. Il était exilé en île de Maurice, Reza Shah, après on l'a tué, c'est autre chose. Mais monsieur, il s'appelait Mohammed
Ali Fourouqi. C'est vrai que c'est Mohamed Ali, mais c'est un juif, Fourouqi. C'est une grande personnalité politicien, intellectuel, écrivain. Il était premier ministre en Iran pendant des années. C'est quelqu'un que l'Iran est fier de M. Fourouqi. C'est un juif. Ce premier ministre juif, il sauve la peau de Shah d'Iran, son père, et il ne laisse pas qu'on le tue. Et c'est lui-même qui était témoin que plusieurs centaines de juifs ont été sauvés grâce à Reza Shah. Pour ça, ce que Bernatan Lévy, il a écrit, qu'il dit, et Reza Shah, il a changé le nom de la Perse, l'Iran, c'est pas vrai. Et d'autres choses que je t'ai dit, tu devras apprendre ça. Iran, c'est pas race aryenne. Hitler, ce qu'il a pris, c'est un mensonge. Il a mal traduit le mot. Comme, je vais te dire une chose, quand le mot voyage, on connaît des mots hébreux, des mots arabes, des mots anglais, si on prononce ici, c'est pas bien. Comme le mot iranien, vas-y voir un ami iranien, tu dis, est-ce que tu vas en Kir? Tu demandes à un iranien si tu vas en Kir. Kir, ici, c'est pas un problème, en bois, c'est un apéritif. Mais Kir, en iranien, je suis désolé, ça veut dire zizi. Alors, Hitler, ce connard, s'il a fait quelque chose, il a pris un mot et l'a mal traduit là-bas, que même la traduction que Hitler il a donnée, ce n'était pas traduction persane et iranienne de mot aria. On ne devait pas venir ici, utiliser en faveur de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, en faisant un bouquin, disant que voilà, ils ont changé le nom d'Iran sous l'ordre d'Hitler. On vous écoute, Bruno. Bon, alors, écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je disais juste, moi j'ai une thèse, vous savez aujourd'hui il y a un péril islamiste, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Moi je dis aujourd'hui, je dis bon à cette antenne, bon, écoutez, je pense que l'ensemble des pays arabes ont eu une complaisance avec Hitler. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça je suis d'accord. Mais l'Iran n'était pas un pays arabe, ça je suis d'accord avec toi. Voilà, non, mais je termine. Ils ont eu une complaisance avec Hitler. Ça veut dire que tous les mouvements nationalistes arabes, Nasser, tout ce mouvement-là, notamment, je pense, il faut le citer, le Mufti de Jérusalem, où Hitler l'a consulté. Hitler avait une solution pour les Juifs en Europe. Elle a été de déplacer l'ensemble des Juifs en Palestine. Le Mufti de Jérusalem a dit, non, monsieur Hitler, ces gens-là, les Juifs, brûlez-les. On ne les veut pas en Palestine. Je dis juste que dans l'ensemble de ces pays arabes, il y a eu une certaine complaisance et il n'y a pas eu une dénazification, comme il y a eu lieu en Europe. Par conséquent, aujourd'hui, ce mouvement qui naît là, ce mouvement islam, moi je n'appelle plus ça islam, j'appelle ça islamo-fasciste. Ce sont des islamo-fascistes. Ce sont des Hitler. Sauf que, au lieu de prendre l'idéologie nazie, ils prennent l'idéologie islamiste. Ils veulent virer de la carte les juifs, mais également tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Je pense que donc, ce mouvement-là, c'est un peu une réincarnation de toute la... Comment dire? Tout ce qu'on s'était débarrassé en Europe. On s'est débarrassé en Europe du fascisme, avec... Je pense que dans ces pays-là, où ils n'ont pas connu justement cela, et ben on assiste aujourd'hui à une véritable résurgence de ce, je l'appelle ça, nazisme, qui est aujourd'hui l'islam. Enfin, l'islamisme, bien sûr. L'islamisme. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui se réclament des frères musulmans, tous les gens qui se réclament de tous ces partis-là, nationalistes, etc., où leur objectif est de rayer Israël, ce sont littéralement, tous les mouvements, les confréries, tous ces gens-là, islamistes, ce sont des nazis, il ne faut pas avoir peur du mot, et il faut les combattre jusqu'à la dernière porte. Voilà, je pense qu'aujourd'hui le combat c'est ça, et donc tout l'Iran, même d'une certaine manière, aujourd'hui on est un peu, aujourd'hui l'Arabie Saoudite est alliée, mais je pense qu'il faut aussi renvoyer dans l'islam d'Arabie Saoudite ce wahhabisme qui tue tous ces pays-là. Je pense qu'aujourd'hui la prochaine guerre, comme contre les nazis, elle se fera là pour justement dénazifier l'ensemble du monde arabe. Voilà, c'est ça mon intervention. Merci Bruno. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas contre. Parce que, comme un historien, moi, aussi, je sais peut-être même mieux que toi, que tous les mouvements pan-arabistes,
et tous les mouvements palestiniens qui étaient antisémites, anti-juifs, c'était un alibi. C'est-à-dire être socialiste ou être communiste, c'était un alibi pour être anti-juif, anti-Israël, antisémite, que ce soit depuis Nasser ou après Saddam Hussein, Hafez Assad, soi-disant Arabie Saoudite, tous les rois, au moins. Un de mes recherches, que je n'ai pas pour publier ça encore, puisque ce n'est pas le temps, c'est que tous les mouvements palestiniens, puisque Al-Fatah, c'était à l'époque 70 mouvements, petits mouvements qui c'est Al-Fatah qui dirigeait. Tous ces mouvements-là, c'était fondé et financé par les Arabes qui étaient anti-juifs. Qui sont Arabie Saoudite, Golfe Persique, Saddam Hussein, ça tu as tout à fait raison ici. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le nom panarabisme au nom de Baath, Hizb Baath al-Arabi. Ils ont pris le nationalisme arabe, pourtant les Syriens n'étaient pas arabes, Irakiens n'étaient pas arabes, l'Égypte n'était pas arabe, Jomhouria al-Misr al-Arabi, ils l'ont nommé République arabe de l'Égypte. Les Égyptiens, c'est des pharaonais, avec 5000 ans d'histoire, 3500 ans avant l'islam, il y avait des grandes civilisations, tous les autres peuples aussi. L'arabe était seulement en Yémen et en Arabie Saoudite, c'est tout. Mais tous les mouvements palestiniens, c'était financé par les Arabes et ils étaient contre Israël, ils faisaient des actions contre Israël, qu'ils soient George Habash, Naïf Ouattmé ou à Paris, ici Copernic et tout ça. Ça, tu as tout à fait raison, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Mais l'Iran n'était pas là comme ça. Turquie non plus, les Turcs non plus, ce n'était pas comme ça. Ou Pakistanais, ils n'ont pas formé ça. Ils dans ce pays-là, qu'il y avait une autre tendance à l'époque de Shah d'Iran. Shah d'Iran était lié 100% avec Israël. Allez-y, lisez un peu. Mais seulement Bernard Henri Lévy, il a écrit une phrase dans son bouquin qu'il doit le retirer. Il a cassé une histoire assez énorme. Et ça, il n'a pas compris, je l'ai dit. J'ai dit à Bernard, avec sept propos qu'il a mis dans son bouquin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé en faveur de l'antisémitisme, puisque le peuple iranien, que depuis des années, il se réclame proche d'Israël, proche des Juifs, etc. Tout d'un coup, il a voulu fabriquer le mot peuple iranien contre Israël et contre les Juifs. C'est un jeu, puisque j'ai dit à Bernard face à face, je répète 50 fois aussi, je veux dire, ça c'était un piège qu'il est tombé dedans. Il avait tombé dans un autre piège de la République islamique d'Iran aussi, il y a déjà 5-6 ans. Il a fait ici une conférence à Pierre Gardin, salon de Pierre Gardin, aux Champs-Élysées. Il a fait avec les oppositions iraniennes, tous les oppositions iraniennes qui étaient 30 personnes, il a rassemblé ici à Paris, il y a déjà plusieurs années, c'était les espions cachés du service de renseignement de la République islamique d'Iran. Il a voulu renverser le régime iranien, mettre ces 30 personnes. En plus, il y avait 30 intervenants, dans la salle, il n'y avait que 25-30 personnes. Et c'est moi que j'ai filmé cette réunion, que nous avons le film qui est accessible. C'est-à-dire, Bernard, seulement puisqu'il est juif, il n'est pas un prophète, il n'est pas un homme honnête dans ce domaine-là, ce qu'il a cité contre le Shah d'Iran, c'est un mensonge. Au moins, vous pouvez aller lire une des rapproches qu'on faisait au Shah d'Iran et son père, c'est qu'il était proche d'Israël. Et Bernard, il vient après des années, il travaille en faveur des ayatollahs, en faveur d'Iran, en faveur, c'est en faveur, puisque actuellement, vous ne savez pas. Mais faites des recherches, vous pouvez voir. Ça fait un an que les gens, ils manifestent en Iran contre les ayatollahs, ils réclament Shah d'Iran, Reza Shah surtout, ce gars-là, pas son fils, pas son nouveau qui était vivant, Reza Shah, le grand-père qui est mort. On réclame pas, il est mort, il ne peut pas venir au pouvoir. Seulement dit que Dieu soit avec toi. Et ça, régime iranien, il a peur. Ou par intermédiaire, je ne sais pas quoi. Bernard, il fait quelque chose qui sert, il ne sert que les ayatollahs. Si vous connaissez l'histoire d'Iran, vous allez mieux comprendre.
Mais tout ce que tu as dit, moi je suis d'accord, pas de problème. Les Palestiniens et tout ça, c'est l'histoire de Palestine, l'histoire de nationalisme et panarabisme, c'était un acte créé par l'Union soviétique et par les pays arabo-musulmans financés contre Israël. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Maintenant, c'est les islam politiques qui a pris la place. Maintenant, c'est islam politique qui a pris la place. Cet islam politique qui est dangereux, que David Abbasi le combatte avec plusieurs centaines de des émissions et des articles et tout ça. Mais le propos à Pays des Aryens de Bernard-Henri Lévy, c'est un mensonge. Il doit retirer de son bouquin. Mes amis, c'était notre émission de ce soir. Je vous remercie toutes et tous. J'ai pris une partie de temps de Morgan. Toi, Bruno, je suis gentil. 10 minutes de l'émission que devait suivre après David, j'ai pris pour t'écouter. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas, demain, après-demain, vous pourrez intervenir. Je sais que toutes les lignes étaient en train de sonner. Vous pouvez venir parler sur cette antenne. Je vais remercier mon ami Didier Doblet. Je vais l'embrasser. Didier Doblet, fondateur de cette radio qui est d'origine de cette occasion que vous pouvez vous exprimer sur 95 de FM. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir.